Et salut à tous, c'est Loul5100 et on se retrouve pour un premier let's play de Resident Evil 5. Voilà. Comme vous pouvez le voir à l'écran, Resident Evil 5 que je vais déjà taper en solo. Hein, et que je ferai sûrement en coop avec Bran. Et sinon, que dire à part que je suis quand même assez pressé de me faire ce jeu parce qu'à l'époque, quand il était sorti, je m'étais régalé avec un pote, on l'avait saigné plusieurs fois. Et j'en garde un bon souvenir. Donc j'espère qu'il a bien vieilli quand même. De toute façon, ça pourra pas être pire que le 4. Voilà, ça c'est fait. Et on est parti. Oui, nouvelle partie, ouais. Ouais. Peut-être regarder juste, non, ça a l'air d'être en français, parce que j'ai eu un peu peur dans la petite bande-annonce, on va dire, parce que ça parlait anglais, mais normalement il est en français, je me semble. Allez, nouvelle partie. Nouvelle partie. En normal, ouais. Et on va commencer. Années 60, Edward Ashford. Si quelqu'un a eu le temps de lire sérieux. Captain Deschat here. We secured the underground route to the coordinates. Ok. C'est pas en français, c'est en sous-titré. Français. Ça me va, c'est pas pire. I should have seen it coming. It didn't take long after the fall of the Umbrella Corporation for their bioweapons to end up in the hands of terrorists. A new era of bioterrorism descended upon vulnerable countries, shifting the balance of power throughout the region. People in the destabilized areas soon feared another incident like Raccoon City was inevitable. As panic spread, governments of the world turned to the Global Pharmaceutical Consortium, which formed the anti-terrorism unit, BSAA. Operatives of the BSAA were sent to infiltrate and neutralize bioterrorist hotspots, restoring safety and stability to various regions around the globe. Welcome to Africa. My name is Sheva Alamar. Chris Redfield. Your reputation precedes you, Mr. Redfield. It's an honor. Just Chris, thanks. So you'll be accompanying me to the destination? Yes. Tensions are running high ever since the change in government. I'll bet. Intel says it's a haven for terrorists now. And I'm not going to be happy to see an American, BSAA or not. That's why I'm your partner. Help put them at ease. Well, I'm sure you'll do just fine. Partner. You okay? Yeah, sorry. It's nothing. Let's go. Jill Valentine est morte? Casualties continue to mount over the long years I've struggled. More and more I find myself wondering if it's all worth fighting for. Maybe one day I'll find out. Hey, hey! Alafanya nini hafa? You don't have to get touchy. Let's go. There is one thing I do know. I have a job to do,
and I'm gonna see it through. Alors, Oswald Spencer, il se fout de ma gueule. Chris here, coming in loud and clear, Kirk. Yes, we read you. There's a black market weapons deal going down in Kijuju. That's where Irving will be. The Alpha Team has already infiltrated the area, and you will be going in as backup. Rendezvous with your contact at the butcher's shop. You can gear up and get briefed on the mission there. Watch your backs. Roger that. Copy. Over and out. Ok. L'ambiance de ce jeu, je l'ai kiffé. Par contre, c'est marrant les souvenirs. Hein. J'étais persuadé qu'il était en français. Mais apparemment. Mes souvenirs m'ont raconté de la merde. Ce qui peut arriver. Ok, ça c'est pour voir la copine. Et la carte en même temps. Ça pour courir. Ça aussi, ok. Oh putain, ils sont en train de dégommer un kleps. Ils ont l'air vachement accueillants dans le coin, hein. Ça donne envie d'aller faire du tourisme par là-bas. Bon. Le boucher, juste en face. Comme les rues, elles se sont vidées en deux. Après oui, le jeu commence à dater, hein. Des caisses, ça se casse ça. Ou pas du tout. Non. En même temps, pour l'instant, je sais pas comment utiliser mes armes ou quoi. Après oui, c'est un peu rigide au niveau des déplacements. Hein. Chris Redfield, go around to the side door. Oh, comme j'aime pas cette voix. Chris, this way. On dirait la voix du marchand dans le 4. Vous allez pas me dire qu'il est revenu, lui. Oui, elle est là, elle est là. Ah non, ça va, c'est pas le marchand. J'ai eu peur. Good, you're both here. Come. Bienvenue. Alors avec Marcus et Edward. You too. This way. But maybe because of the new government, the people around here are a little on edge. You should do what you came here to do and go home. Yeah, they really roll out the red carpet for us Americans. I have your weapons for you here. Jet them. Ah, des flingues, ouais. Il faut qu'ils arrêtent de me mettre des trucs à lire pendant les temps de chargement, hein. Si t'as juste le temps de cligner les yeux, c'est pas la peine. Ouhou! Ok, pour l'instant, j'ai ça, d'accord. Destination coordinates? Town square's up ahead.
Go through there. Alpha Team's waiting at the deal location. Good. What do you know about Ouroboros? Mostly just rumors. Something about visions of a Doomsday project. Doomsday sounds about right, and apparently it is no rumor. You're kidding, right? You must find a man named Irving. He is our only lead. And be careful out there. Ouroboros, c'est pas le serpent qui se mord la queue dans la mythologie, il me semble qu'il y a un truc comme ça. Ah. Si votre jauge de vie se vide complètement en raison des blessures subies, votre statut devient mourant. Si votre partenaire est mourant, vous pouvez vous en approcher et lui porter secours en appuyant sur rond. Si vous êtes mourant, vous ne pouvez pas vous soigner de vous-même. La partie se termine si votre partenaire ne vous porte pas secours avant la fin du temps imparti, ou si votre partenaire et vous-même êtes mourants au même moment. Bon, les quatre types de contrôle suivants, ok. Putain, on visait avec R2, d'accord. Non, L2, R2 pour tirer. R2 plus carré pour tirer. À type A ou type B. Je serais plus pour le type B à la limite. Type C. Donc je vais mettre le type B tout de suite. Hein. Ça sera plus simple pour moi. Donc ça va être dans les options ça. Voilà. Configuration manette. Type commande. Tirer, lancer. L1, R2 couteau. Courir. Bah non, c'est bon en fait, type D, c'est très bien. Ouvrir l'inventaire, ouais, c'est ce que j'ai l'habitude, et bah allez. Hein. On te fait voir, non, il n'y a pas français, j'ai rêvé, j'ai craqué mon slip. Bon bah allez. Hein. Donc le couteau, d'accord. Remember, we're a team. Whatever happens, we stick together. Don't worry, I may not be as big as you, but I can still hold my hand. Hey, du pognon. Hey, je t'ai vu, toi. Moi, ta tête, je te défonce. Ah, sympa comme tout. Le corps est encore chaud, qu'est-ce qu'il fait là? Non, rien à ramasser, allez, parti. Il y a une carcasse animale sur la table, c'est pour une cérémonie. J'espère que c'est pas pour la grailler vu les asticots. Ah, je peux examiner? Une caisse en bois, elle n'a pas l'air bien solide. Ouais, bon. Ah, elle aussi, elle pète les caisses, du coup. T'es gentil, mais c'est mon taf, ça. Ah, je peux laisser au partenaire aussi. D'accord. Non, ça, je vais le prendre. Est-ce qu'on peut combiner? Did you hear that? It came from that building. Le centre de formation d'Umbrella est établi. Freeze!
Are you okay? Butez-le, attendez pas qu'il se relève. J'ai plus de balles. They didn't move like any zombies I've ever seen. J'ai plus du tout de balles. Ça commence bien. Il me donne rien lui. Oh, ok. C'est déjà mieux fait que Resident Evil 4. Hein. Moi ça me va. Bon après pour faire pire aussi. J'aimerais pas me faire des potes. Ah ben merci, elle me donne des munitions un peu. Elle est sympa, elle prend tout pour elle. Attends, y a plus rien là. Ouais. C'est un super héros, Chris Redfield. Attends, tu veux aller par où toi? Bon ben là c'est mort. Faut qu'on se casse peut-être, non? Come in, Kirk. The locals were hostile and we had to use force. We don't have any contingency plans for this situation, do we, Kirk? Roger on the locals, but your orders still stand. What does that mean? Was HQ expecting this? À deux, on peut enfoncer cette porte. Ben vas-y. Je prends tout, je donne rien au partenaire, moi. Laisse-moi les bastos, laisse-moi tout. Ok, je devrais peut-être lui en donner un petit peu. Non, 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 pas tout donner. Faut pas déconner non plus. Waouh. Ok, d'accord, ça va. Vas-y, rends-les-moi en fait. On peut pas scinder et tout. File-les-moi. Ça va partir aux cacahuètes. Ah, un vieux cadavre séché, quoi. Si je suis de fou au milieu, ça m'emmerde un petit peu quand même. J'aurais peut-être dû lui donner un peu de bastos. Non. Même pas, j'essaie de lire. Hein, voilà. Ah, celui-là en coop avec Bran, il pourrait être sympa.
Kiyaya! Baranito! Musawao! Ichihonum! You don't know what you're talking about! You can all go to hell! Wait a minute. That's the... Kipo! For what? For now to Suiya! Coup de pression là, hein? Faudrait pas qu'on se casse, qu'on aille quelque part. Merde, putain, j'aurais dû lui donner. Ouvrir? On peut ouvrir ça? Les données. Non, je suis obligé de les prendre. Ok. Bon, ils sont où tous là? À mon avis, il faut qu'on se barre. Comment ça, l'essence, elle n'explose pas? Viens, on se barre. On se casse. Non, on peut pas. On peut pas. Ok. Bon, on surveille la porte alors. Oups. Oh putain. Je me suis baissé au bon moment. Kirk, come in. The locals are hostile. The gate is sealed and we're trapped. We need backup and we need it right now. Roger that. Just stay tight. I'm on my way. Did you hear that, Sheva? Help's on the way. Got it. Just help these guys here, quick. Là, ça pue. C'est quoi ce bruit? Oh merde! Casse-toi! Casse-toi! On se casse de là! Oh, coup de pression, faut aller où? Et l'autre, elle a plus de balles! Cette porte est coincée, on ne pourra pas l'ouvrir. Quelle déduction! Merde. Ok. On va jouer à cette plateforme. Il y a des bidons en bas, il y a quelque chose. Merde, elle est dans le caca.
down till Kirk gets here. Il est passé où, gros, là? Apparemment, il craint le feu, l'autre, là. Putain. Des bidons quelque part là en bas et munitions s'il te plaît. Putain, si c'est la merde. J'ai la pression. Désolé pour le retard, il est où lui? Pas mort. Mais pourquoi vous arrêtez là? Hey, rends ça. Yes. Eh bon, on continue. Hein. Je peux acheter des trucs. Spray de premier secours. Acheter un nouveau flingue en même temps, j'ai pas assez. Non, on va garder le pognon, j'ai plein de soins en plus. Bon, je peux organiser. Je vais peut-être lui en donner une à elle. Hein. Voilà. Alors, ça c'est à elle. Les améliorer. Ah oui, bon, on va améliorer la puissance, pas assez d'argent, d'accord, ok, bon, ben ça c'est mort. Hein. Peut-être que t'es quoi mon buzz. Munitions, ouais, non. Non, ben tant pis. Tant pis pour l'instant, on va rester comme ça. Hein. Et elle, je dois pouvoir réorganiser son truc. Je m'y attendais pas. Et oui, j'ai passé de très bonnes vacances, merci Kat. Eh ben allez, on est prêt, hein. Allez. Kirk, we owe you one. You can thank me later. Chris, Sheva, it's almost time for Alpha Team to go in. Hurry to the deal coordinates.
Roger that. I'm going on ahead. We'll meet up there. Good luck. Du pognon, du pognon. Tiens, d'ailleurs, du coup, là, vu qu'il n'y a plus le gros avec ça, je sais pas où il est passé. Est-ce qu'il faudrait pas fouiller un coup, juste être sûr de passer à côté de rien, quoi. Genre des trucs comme ça, des tiroirs vides, quoi. Voilà, ça c'est fait. Je me suis fait bananer par le jeu, là. Un petit tonneau a éclaté là, quelque chose s'il vous plaît quoi, merde. Bon, je crois que c'est mort hein. Plus rien à ramasser en fait. Bah, jeter un oeil dans le bus. Hey Sheva, la plus dans le bus. Ah, petite blague de merde, voilà, ça faisait longtemps. Oui, ça m'est pas passé pendant les vacs. Hein. Ils peuvent pas me mettre des trucs dans les tiroirs, c'est con là. Non, bah c'est bon, hein. On a fouillé de partout, je crois. Cassons-nous. Elle, par contre, elle a plus de munitions du coup. Hein. Ouais, elle a fait tout le tour et tout, même pas elle m'attend. Eh, on est une équipe. On la joue pas solo comme ça. Sinon, je te tatane. Hein. Ah, attends. On peut descendre ou on peut aller là, ça? Bon, on va descendre. Si on peut descendre, c'est qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce que je disais? Faut pas être trop pressé. Rien à voir l'event. Alors elle, déjà on va lui donner des munitions. Hein. Okay. Par contre le pognon c'est pour Bibi. Hein. Je peux la faire redescendre? Ah non. Elle redescend toute seule. Comme une grande fille. Eh merde! C'est là que c'était pas un zombie, tu sais. Tu butes une civile. Ok, maintenant faut les achever au sol. Ça marche. Mais tu vas mourir, toi. Eh bien. Alpha team, come in. Alpha team. The chant. Do you copy? Oh oh. Pousse-toi, toi. Ok, allez chercher des munitions. Tiens, le kick. Ça leur explose même pas la tête, on leur écrase la cage thoracique là. Je vais prendre des balles un peu. Je
j'aurais pu lui donner. J'aurais pu lui donner, effectivement. J'ai pas le réflexe. J'ai pas le réflexe. Oh, le kick dans ta gueule. Il est où, il est où, lui? Voilà. Je veux dire, c'est un peu vilain comme il disparaît quand même, non? C'est moi qui suis trop exigeant peut-être pour un vieux jeu. Merde, je crois qu'elle se fait attaquer. Ok, je crois qu'elle a eu la clé en fait. Bon ben trop tard, j'ai pris les balles. Qu'est-ce que tu veux toi? Ah là j'ai écrasé la tête, ok. T'es que sa bouteille là. Tu veux me payer un coup? C'est bon là, on peut se barrer. Ah, un tonneau, un tonneau. Come on. Okay. Take it. Okay. Qu'est-ce qu'il veut lui? Ah, là aussi. Ben, prends-les aussi. Voilà. Il est beau avec sa clé à molette. Ah merde, il vient. Deux balles dans le vent. En même temps, qu'est-ce qu'on s'emmerde là? On se casse et puis c'est tout. Oui, bon. J'aurais pu mettre un coup de couteau aussi. Hein. Attends, attends, attends. Ah bah il est venu avec sa clé à molette en fait. On pouvait sauter là. Ah ah. Pognon, argent. J'aime l'argent. Ah. Putain, m'a fait peur lui. Vénère. J'ai peut-être arrêté de lui donner toutes les balles de pistolet, moi j'ai plus rien. Tu veux lui tirer dessus? On dirait Borat. Fallait écraser la tête. Ok. Cette fois je les prends, hein. Tu m'en veux pas. Elle a découpé des tomates et elle a eu des munitions. J'ai pas rêvé. Faut découper les tomates dans Resident Evil 5. Faut s'ouvrir ça. Verrouillé de l'intérieur. Ok, on va passer par au-dessus. Verrouillé de l'intérieur. Bon, on va pas passer par au-dessus. On doit bien y avoir moyen. Il y a pas mal de trucs à l'intérieur en plus. C'est par Ah, y a un truc là. Là j'ai pas rêvé, il y a quelque chose. Alors est-ce qu'il y a des zones qui sont accessibles que quand on est en coop?
Non, là, il y a... non, là, ça sert à rien, je pense. Et salut, what's around, bienvenue sur la chaîne. Et ben, on va continuer. À mon avis, là, si je continue, en fait, je vais l'avoir dans le baba. Qu'est-ce qu'il pourrait faire qu'on déverrouille ces portes-là. C'est verrouillé de l'intérieur. C'est pas le verrou, ça? C'est comme les loquets que tu tires. Vas-y, là, le jeu, il se fout de ma gueule, quand même. Ça serait pas la première fois qu'un jeu se fout de ma gueule, d'ailleurs. Non plus là, mais il y a une meuf qui vient de se faire kidnapper. J'en ai strictement rien à foutre, tu sais. Moi je continue de visiter. Comment on fait pour aller là-bas? Punaise, un pompe. Et bienvenue Drunkcode sur la chaîne, bienvenue à Pop de Downlead, désolé si j'écorce les noms. Bienvenue à tous, merci beaucoup pour les follow les gens. Bon allez, on continue. Putain, heureusement qu'on avait pris la clé, du coup on n'aurait pas de pompe en fait. Je vais shooter des poulets. Monter là aussi, et là il y a un tonneau. C'est pas chronométré pour sauver la blonde, hein. Je sais même pas si on peut le faire, c'est pour ça que je me presse pas aussi. Hey, what's trop tard. Be careful, they may still be here. À mon avis, elle est foutue, la petite blonde. Ok. J'ai un petit crochet dans ta gueule pour te calmer. Et maintenant. Ah, jamais elle crève. Dégage-toi. Possible. Je prends l'or. Allez, dégage-toi. Il est pas mort. Ah si, il est mort, ça va. Les cartouches de pompe, hein, je me les garde. Gueule.
You grab it. Roger. Ça sert à quoi de venir sur ce balcon? Oups, munitions. Voilà. Ah, rien, hein. C'est bon, la musique se calme. Ça devrait aller. Ça se lit, ça? Non, ça se lit pas. Du coup, j'ai toujours pas trouvé comment on grimpe dans ce truc là-bas. Attendez, attendez. J'ai peut-être une idée finalement. Ah, t'es sérieux, je peux pas sauter en face là? Tu sautes sur le toit et on atterrit à l'étage. Je peux pas descendre. Attends, c'est quoi l'intérêt de monter là si c'est juste pour descendre? C'est vraiment descendre. Attends, j'ai pas rêvé, on peut y aller dans ce bâtiment. C'est pas par là non plus, non. Y'a quelqu'un qui la connaît, la combine? Parce que là, je patauge un peu, hein. Par là, bordel, je peux pas lui faire la courte échelle à elle. C'est un genre là. Alors, quand il y a une échelle, je peux l'envoyer à un étage au-dessus de moi pratiquement. Mais là, non, il n'y a pas moyen. Ah, à moins que. Ben non, le verrou, je peux pas le péter d'ici. Ah, peut-être là. Non, c'est pas ça, hein. C'est pas ça. Il y a des munitions de pompe et tout, quoi. C'était pas ouvert, là, tout à l'heure. J'ai pas rêvé. Hey, de l'or grand, ok. De l'or petit, ok, aussi. C'est vide, quelqu'un a fait le ménage. Putain, il fait mal le ménage, hein, t'as vu la gueule de l'immeuble. Allez, par là, il y a quoi? Peut-être lui laisser elle, ça, ouais. Voilà, ça la démune. Elle m'aide bien quand même, Shiva. Dis Shiva ou Shiva? Ça, je vais prendre. Ah, par contre, elle a perdu de la vie, hein. J'avais pas fait attention. Et j'ai déverrouillé. Ça doit pas servir à grand chose, mais j'ai déverrouillé. Et voilà. Oh, un putain de coffre. Bah, ouais. L'horloge ancienne, j'ai rien contre. Bon, du coup, j'ai peut-être rechargé ça, moi. Alors, je peux pas combiner direct, si. Ouais, parfait. Parfait, parfait. Et bah, allez, on est reparti. Here we go! Je savais que la blonde a été foutue, hein. Très peu de chance pour qu'elle s'en sorte. En général, les blonds et les blondes dans les films d'horreur. Oh, c'est pas vrai. Hey, je pouvais mettre un crochet il y a 2 secondes là. Take it. Okay. Ok,
fais ça, tu les prends, ça là c'est pour moi. C'est tout ce qu'on a. On va faire avec. Détonnant, détonnant. Faut pas être un ancien alcoolique quand tu joues à Resident Evil 5, hein. Rappelle des mauvais souvenirs. Tu vois un tonneau, tu cours dessus. Ouais, à boire. Parlons de toi. Pourquoi tu recules? T'as flippé, ma grande? Elle me fait penser à Rihanna, elle. C'est tout? C'était peut-être rien, hein. C'est peut-être un mec chez le dentiste, on sait pas. C'est... Va y aller tranquille. C'est sinueux dans le coin, j'aime pas trop. On peut buter les rats. Oh pauvre bête, on peut. Je le ferai plus. Tes potes sont en sûreté. Allez. Non, ça c'était un copain, je crois. Un membre de l'équipe Alpha. Il est mort. Quel sens de la déduction, Chris. Je te les laisse. Il a pas été blessé par balle. Oui, bon, en même temps, tout ce qu'on a croisé pour l'instant, c'est... Soit ça essaie de nous bouffer, soit ça essaie de nous jeter des trucs dans la gueule. Mais des flingues, ils en ont pas trop. Ouais. Je sens qu'il y a un truc qui va me tomber sur le coin de la gueule. Grenade à main, je prends. Tu m'en veux pas, hein? Bah tiens, je t'en laisse une, je t'en laisse une. C'était peut-être une connerie, mais je t'en laisse une. Ah, je voulais essayer de me le faire au couteau, lui. Allez, jackpot! Bah, je prends tout le pognon, moi. Je lui laisse rien à elle. Et merci à tous les nouveaux follow, hein, Nezar, Presearch, merci beaucoup. They ran away. Okay.
Kirk, do you copy? We got the data, but Alpha Team is down. Mervyn got away. Roger. Relay the data from the vehicle at the storage facility. Copy that. I don't like the looks of this, but we have to keep moving. Eh, d'où tu me piques mon pognon, toi? Ok. Marcus me... Putain, même les petites phrases, j'ai pas le temps de les lire, merde! Laisse-moi le tonneau, toi. Voilà. Pique pas mes sous, non mais... Écarte-toi de ces tonneaux, bordel. Mon argent, à moi, à moi. Ah. Un autre cadavre, bordel. N'y a-t-il pas de survivant? Je ne pense pas. Lui là-bas, à mon avis, va se lever. Il y a un truc qui pue. C'est verrouillé, il me faut une clé. Pas confiance en bras, hein. Bon, c'est quand on va revenir. Qu'est-ce que... La zone qui pue pas du cul. Des explosifs de partout. Take it. Okay. Come on. Are you okay? Mais qu'est-ce que... Elle est pas con, elle, je t'ai pas demandé de me soigner. Si, je viens de faire ça, moi. You grab it. Roger. Ouais, c'est dès qu'on va prendre la clé, là, ça va partir en cahouette. Point de contrôle, oui. That's what got Alpha Team. Demi-tour. Cours, 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 cours. Ouais, ils foutent le feu. Thank you.
Bah oui, oui, comme par hasard. Tout à fait normal. Recule-toi, viens vite. Casse-toi, casse-toi. Pourquoi il y a marqué Atari sur les bouteilles de gaz? Merde! Trop rapide! Et celui qui va où? Il est où? Vite! Oh la loose. Saloperie. T'as pas avoir le temps non plus. Oh, le timing de merde. Qui est en feu là. Ouvre cette porte. Ouvre. Non, on n'aura pas le temps. Vite, truc de merde. Non, viens là. Il est où? Vite. Et cette fois, c'est la bonne. Ferme la porte. Ferme-la. Ça passera. Oui. Crève. Brûle dans les flammes de l'enfer, une saloperie démoniaque. J'ai cru qu'il était pas mort. Quelque chose à ramasser sur son cadavre de sangsu. Et on le signalera au QG, t'inquiète. Chaque chose en son temps, hein. Ok, Shiva. Il y a des cadavres de partout ici. Take it. Okay. Et heureux pour moi, hein. Ah,
Allez, on continue. Et je me régale. Allez, qui c'est qui nous surveille ? Let's go. Got it. What was that thing? BOW that scumbag Irving left behind to set us up. Considering what it did to Alpha Team, I think we're lucky to still be breathing. If only we could have gotten there sooner. If we had, we'd probably be dead too. Chris, to HQ, do you copy? This is HQ. Excellent work out there. We'll analyze the data immediately. This whole town's gone to hell. The people here, they're acting like those Ganado detailed in the Kennedy report. And aside from that, there's something new, something we've never encountered before. Our transportation has been taken out, too. Requesting a mission update. The mission stands. Capturing Irving is your top priority. We believe he may have fled to the mines on the other side of the train station. Wait. We're the only two left. You want us to go in there alone? Delta team have been dispatched and are on their way. They'll assist you in locating and apprehending Irving. But wait, we can't! I repeat, your mission stands. We can't afford to let him get away. Proceed to the mines beyond the station. Over and out. This is insane! You ever get the feeling you're expendable? Ok, donc ils ont fait référence à Leon Kennedy dans Resident Evil 4 avec les Ganados. Oh, juste le point, à cause du temps. Mais ouais, mais moi je fouille. Je pense pas à côté de tout. Ok, on peut consulter un dossier sur le BSAA dans les archives. D'accord. Je suis content, j'ai de la lecture. Eh bah allez, on continue. Hein. Qu'est-ce qu'on peut acheter de nouveau ? Pas mal. Petite mitraillette. C'est quoi ça ? Gilet de combat, ça coûte 10 000. On a 6 200. Ça, ça coûte 2 000. J'ai peut-être économisé pour me garder le gilet de combat. Parce que pour l'instant, on s'en sort bien avec seulement ce qu'on a, on va dire. Et ça, si on le vend, eh ben on doit avoir assez là pour acheter la tenue de combat. Protège les attaques de mêlée, peut-être portée avec le gilet pare-balles. Eh ben allez, voilà. Maintenant il faut se le placer, c'est ça? Ah non, c'est bon, c'est déjà mis. Ok. Eh ben très bien, on est ready. Allez, on est reparti. We can't let Irving get away. We have to get to the station. Alors on récupère du pognon parce que là on n'a plus rien. Ok. Une petite genuflexion, Chris. C'est pour garder la forme. Ok. Appuyez sur rond pour appeler votre partenaire. Non, appuyez sur bas ou bas. Ok, soit rôle offensif, soit rôle défensif pour Shiva.
Appuyez sur R1 pour consulter les objets de votre partenaire. Oui, bon, ça je l'avais remarqué. Ok, ça c'est bon. Ah, attends, j'ai vu un truc intéressant là. Ah! Ta gueule, je veux juste relire. Voilà. Là. Placer les objets en haut, en bas, à gauche ou à droite permettra. Ok. Donc en gros, c'est le menu rapide. Donc. Là, si je fais ça. Ok! D'accord, ma grenade. Non, je vais pas l'équiper, je me suis planté. J'ai dit que je veux pas l'équiper. Je peux pas la déplacer, ma petite grenade à main. Si, voilà. Du coup, si je fais ça là, eh ben nickel. Ok. On est prêt. T'as des balles, Shiva? Ouais, ça va. Allez, on est parti. Fermeture du centre de formation. Oh, oh, oh. Recule, tu vas te faire avoir. Go, Roger. J'ai de le péter du coup pour faire demi-tour. Ah, je peux plus prendre moi. Je suis plein. Elle doit l'être aussi. On est plein de plein. Ben non, elle est à la place, elle. Tiens, je vais lui donner ça. Come on! Thanks, partner. Voilà. Puis je vais te donner. Mais reviens là! Come on! Ok. Elle fait chier. Thanks, partner. Voilà. On peut ramasser le spray là. Je vais prendre la plante aussi, faire une petite combinaison. Voilà, voilà. Tranquille. Oui, la plante, je dois pouvoir la combiner là. Parfait. Comme ça, ça fait une petite place. Ça. Ah, il y a des balles. Come on. Ok. Oh non, putain, pas les chiens. Oh,
Ah, ils sont moches. Ta gueule, toi. En vrai, lui, là. Oh, j'ai failli me faire exploser ça à la gueule. Donc la molette dans le dos, lui. On veut de la patate. Merde, merde. Voilà. Tiens, ça c'est fait. Oh merde! J'ai plus de balles! Petit coup de pression, il était costaud le gros là. Je dis le gros parce qu'il est gros, je suis pas grossophobe. Hein. Imaginez pas des conneries. On va lui laisser les balles à elle. Hein. Voilà. Et là aussi. Ouais. Elle vise bien en plus. Hein. Contrairement à moi. Allez, on est parti, on est reparti. Patate. Take it, Roger. Parti
Ok, j'ai plus de bastos. Ton arbalète là, voilà, ça fait le ménage. Et merci beaucoup Sagani, et grave vive la team Sagani les gens, et j'aimerais faire un tour sur ta chaîne Sagani Collection. Tac tac tac, c'est même pas, je viendrai faire un tour, je vais follow, je vais suivre de près. Je viens de remarquer un truc là pendant que j'étais en train de tirer tous ces couillons. C'est qu'il y a des décors au loin. Pas comme dans Resident Evil 4, qui était tout noir, tout sombre, tout pourri. Putain, faut aller par où là? Attends. Si ça c'est le point de contrôle, c'est dire qu'au-dessus il y a peut-être un truc à ramasser. Il y a zombie, allez, on se barre. Si, il y a un tonneau là. Putain, plus de balles, Sheva. Ok. Oh putain. Merci, merci beaucoup Sheva. Je crois qu'il y en a un derrière nous aussi, hein. Moi, ouais, s'en est occupé tout de derrière. Non, ça va, elle finit. C'est vrai que j'étais bien armé, hein. Saloperie, va. Allez, on y retourne, on se casse. Alexia injecte le virus T Véronica dans le corps de son père Alexander. Voilà. Voilà. Donc nous là on va vers les mines, hein. My god. Something's coming. Watch out. Génial, de mieux en mieux. Ah mais c'est pas vrai, merde. Merde. Take it. Roger. Allez. Vous êtes lourds les mecs, hein. Donner des balles un peu là. D'ailleurs, je vais peut-être me soigner un chouille, moi.
ne sait jamais. Someone's here. Sur la plage, il y a du monde derrière, il y a du monde partout. Allez, tomate. Ah, ça donne rien de couper des tomates. Elle coupe. Bah, coupe, tasse quoi. T'as compris. Ah si, ça donne des trucs, ça donne des trucs. Take it. Okay. T'es pendu au plafond, pas vraiment la mort idéale. Et maintenant ça va partir en cahouette. Gagné. Peut-être qu'on se casse là. Sur un gros bateau là. Ah bah enfin, cavalerie. Roger. Thanks, Kirk. Wow. I didn't think HQ actually cared. Ok, là ça pue. Plus grave.
merde. Bon, juste comme ça, faut qu'on aille où, là? Il y avait un truc par là, je crois. Ah! Balèle. Et fait chier. Comment ça t'es pas mort? Prends les bastos là. Et je vais reprendre de la life, ouais. Je crois que c'était fini, merde. Ok. Toi, t'es relou là-bas. Bon, elle a coupé les pommes. Elle a eu des munitions. Un snipe. Oh oui, je prends. Peut-être mélanger mes herbes aussi. Allez, on se casse. Là, hein. Oscar utilise les effets d'une deuxième exposition au virus T. J'ai dit ça au pif. Hein. Tu m'empêches d'avancer. Tronçonneuse, ça me rappelle un mauvais souvenir. Ok, on est tous pleins. Sauf que je peux pas lui donner ça, donc voilà, et comme ça je peux prendre ça. What's going on? Come in, Kurt!
Je crois que Kirk est mort. Merde. Elle fout quoi elle? Cassez-vous! Lui rentrera pas. Verrouiller de l'autre côté. Okay. Oh merde. Elle a pas vu venir. Merde, j'ai plus qu'une balle. Oh, Freddy Mercury. En fait, faut aller en face pour exploser le verrou d'en dessous, c'est ça? De contrôle, je veux bien, mais moi je fais quoi du coup? Merde, j'y vois rien. Tu veux que je fasse comment? Elle m'a appelé. Il y a bon, elle a ouvert. Là, pour le coup, j'ai pas loupé la tête.
Et on va regarder ce bidon là-bas, là, face au nord. Fou, coup de pression, hein. Ok, ça c'est fait. On prend l'argent. Est-ce qu'il y a quelque chose à l'étage encore? Ouais, petit tonneau. J'ai plein de munitions, mais elle, je lui ai rien laissé. Ça, je m'en rappelle. Merde. Faut avoir l'œil. Ça c'est ça, faut avoir l'œil, faut avoir l'œil. Bordel, cours. Merde. Merde. C'est pas vrai. Est-ce qu'il faut qu'on trouve une clé là? Est-ce qu'il faut qu'on fasse ça? Sinon ça peut durer très longtemps, bordel. Putain de clé, c'est où? Ah.
Oh, je suis mort. Comment on passe ce truc? C'est pas possible. J'ai mis je ne sais combien de bastos dans sa gueule. Un lance-roquette à acheter, un truc comme ça, un peu. Non, c'est mort, hein. Fichier de combat. On va dire prêt, hein. Je reprends d'où? On reprend de là. Allez. Oh là là, chaud patate. Un truc qui est tombé là-bas. C'est quelque chose si on tire dedans ça? Faut faire comment? Je suis en panique. Putain, mais c'est pas vrai. Mais comment on fait?
Comment je fais, bordel? Est-ce qu'il sait pas avec la lunette qu'il faut arriver à lui mettre une balle dans l'œil? Dans mes souvenirs, c'est ça. Mais mes souvenirs, ils peuvent me raconter de la merde aussi, hein, comme on l'a dit juste avant. Pousse-toi. C'est ça, je suis sûr que c'est à la lunette, faut lui mettre une bastos dans l'œil. Et je vais y arriver, je vais y arriver. Le truc électrique, ça doit être pour le ralentir un peu, il y a un machin comme ça. Je vais voir. Je vais voir ça tout de suite. Allez. Je vais y arriver. Je suis sûr que c'est ça. Merde, cours. Et merde. Obligé, c'est ça, mais faut avoir pile l'œil, je crois, si je me rappelle bien. De mes souvenirs d'enfance, de jeunesse. Et on a d'autres des trucs comme ça dans le coin, je crois pas. Hein. Putain, allez. Allez, qu'on termine en beauté. Faut arriver à se le faire, cet enfoirax. Oui, on sait, il arrive. J'ai pas rechargé avant. Jamais tu crèves, merde. En plus, ces ennemis arrivent à l'infini, c'est pas possible, il y a quelque chose.
forcément un truc. C'est en train de me foutre la pression. Oh putain! Oui, j'adore. Quand ils sont tous crevés, qu'ils sont tous morts. Ouais. Oh putain. Ah non, c'était pas une balle dans l'œil, c'était fallait le finir. Fallait se le faire. Oh putain, je suis trop fier, puis je suis trop content. Wesh alors. Wesh alors, t'as vu, waouh. Oh putain, je suis trop. Je suis trop happy. Because I'm happy. Oh putain. Ah, je pensais pas y arriver là, j'étais en train de dépérir dans ma tête. Je me disais, non, c'est pas possible, il y a une merde que je vois pas. Oh, la clé du garde, eh ben allez. Tiens. Tiens, les lingots, c'est pour qui? Allez, tout dans le fion. Tirelire magique. Ch'tibididi. Les petites gemmes aussi. Oh. Ah, dites-moi que ça sauvegarde. Alexia s'injecte le virus T, Véronica et plante dans un sommeil cryogénique. Mais merde. À chaque fois. Ça c'est pas terminé. Il est long ce niveau. You grab it. Roger. Over there. De quoi? Qu'est-ce qu'elle a elle? Qu'est-ce qui lui arrive à Shiba? Oh my god. On a retrouvé l'hélico. Joli, GG, rien à redire. Man, am I glad to see you guys. Delta Team Captain Stone. Chris Redfield. Shiva. Thanks, Josh. I owe you one. You guys know each other. I trained under Josh. He taught me everything I know. Shiva became little sister of the team. Now, Shiva, you must continue your search for Irvin. According to the data we retrieved from the hard drive, we believe he has moved on to the mining area. There's more info inside it. We'll follow after taking care of business here. And keep your radio handy just in case. Thanks, Josh.
Jill. Chris, are you all right? This picture, it's... forget it. It's nothing. Let's move out. Non mais attendez, c'est quoi ce bordel? C'est dans quelle Resident Evil qu'elle crève, Jill Valentine? C'est dans quel épisode? J'ai loupé quoi? C'est dans un code Veronica ou un autre? Dites-moi, je veux savoir, je veux le faire, je veux connaître l'histoire. Oh, il manque un bout là de la chronologie. Oh, je suis dégoûté. Ah, je veux savoir, moi, quand est-ce qu'il se bat contre Wesker, lui, en plus. Ouais, j'ai dû louper un jeu, moi, dans la foulée, là. Mais putain, je me suis régalé, j'ai passé une super soirée. Alors, je sais pas si c'est la petite Madeleine de Proust d'avoir fait ce jeu quand j'étais ado. Oui, si, j'étais ado. Mais, ouais, non, je me suis régalé ce soir. Et j'espère que vous aussi, hein. Merci beaucoup pour les nouveaux follow. Et d'ailleurs, je vais mettre cette vidéo, voilà, en VOD sur ma chaîne YouTube. Donc, pour tous les abonnés YouTube qui regarderont cette vidéo, pensez au petit pouce qui fait plaisir. Et du coup, bah, la suite arrivera très prochainement, hein, parce que gros kiff quand même. Et quant à moi, bah, je vous dis à très vite. À très vite, sûrement à demain soir pour un autre live, les amis. Sur Twitch ou sur YouTube. Voilà, merci d'avoir maté. C'était Loul 5100. Je vous dis à très très vite, puisque je suis en pleine hype là. Je suis à fond. Allez, passez une bonne soirée, une bonne journée, une bonne rentrée, de bonnes vacances. Enfin, vous aurez compris. Allez, bien, c'est tout ce qui compte. Allez, ciao, ciao, ciao.